J'ai horreur de ce que ça fait. Et 73 de Dati 33. Alors, tout à l'heure, j'étais en QSO avec Daniel Centaure. Je me suis retrouvé moustaché de tous les côtés. J'ai plus rien compris. Quoi. Comme quoi, il y a du monde sur les 40 canaux, il y a du monde. Mais bon, c'est du monde qui est sur la route, hein, bien entendu. Je risque de les perdre rapidement. Hein. Ouais, voilà, ça s'éloigne. Je pense que c'est le bateau qui m'ont moustaché. Quoi. Quoique, il y a les habitués du canal 15, ceux du canal 16, canal 17, et ainsi de suite. Ça sent les 1000 pattes là, que j'ai eu tout à l'heure pour Dundee 33, est-ce que tu es toujours là? Bon, si tu m'entends, là je suis en direction de Libourne. Alors bonne journée à toi, bonne route. Attention, Dakota 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Bon, c'est pas grave. Ah, mais à un moment, il va y avoir...
13:51, les stations fréquences de la part de Dundee 33 depuis le pont de la rocade de Libourne. Oh oui, je t'ai entendu la belette. Les bus en 13:51 à toi, c'était très 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 QRP là de mon côté. Voilà, là je sors de la rocade de Libourne pour prendre direction Castillon-la-Bataille. Alors lui là, il devait être sur la rocade de Bordeaux. Dans ces coins-là, ça fait un bout de route, surtout en AM comme ça. Mais lui, il est en 1000 pattes. Voilà, c'est très très QRP de mon côté, les bus 13:51 de la part de Dundee 33, là depuis les quais de Bassins. Là, il y a 30 secondes, là c'est passé plein pot de mon côté, et puis paf, ça a descendu d'un coup, là il y a quasiment plus rien qui passe. Ok Nico, ben ça tombe bien, plusieurs fois là je t'ai appelé. Ouais voilà, je suis sur les quais de Bassins. Là je suis pas loin d'arriver là dans les bouts des quais de Bassins, là où il y a les silos à grains. Alors comment vas-tu? Eh bien ma foi, ça va très bien, Ok, ben moi ça va de mon côté, là c'est assez propre. Hein. Là je suis carrément dans le bout, il n'y a pas trop de QRM dans ces coins-là. Le seul truc qu'il y a, c'est l'odeur de la farine là dans le coin hachi. Ben là je m'en vais au pro ce soir, ce coup-ci, ben, du côté du bec d'Ambès. Ah ben je crois que c'était comme le dernier coup que je t'ai attrapé en fréquence. Ok, moi ouais, c'est pareil, hein, par moment là ça passe mal. Bah, faut dire que là tu es coincé entre les murs et que tu me disais tout à l'heure en plein dans les QRM. Je te disais là, si tu m'entends mieux ce coup-ci, je m'en vais du côté du bec d'Ambès ce soir, cette nuit. Le bec d'Ambès, du côté du bec d'Ambès. Ouais, bah d'accord, là j'arrive en plein sur les silos. J'ai une montée de QRM là ici, puis là je t'ai complètement perdu là on dirait. Hein. Ben si tu m'entends encore, les bonnes soirées 13 à toi et bonne fin de journée. Oui, c'est pour ça qu'à chaque fois je ne manque pas de t'appeler. Quoi. Voilà, en même temps que j'appelle la belette, ça, je t'appelle en même temps. Ok, la bonne fin de journée à toi, bonne soirée et à la prochaine. Ok, oui, Hachi, il faut, ouais, c'est sûr, t'as raison. Ok, merci, bonne soirée à toi, à plus.
Ciao. Secure, Secure, SecureDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, et qui vous propose un QSY sur le 27-515. 27-515, c'est parti pour moi. Secure, Secure, SecureDX, appel de 14 km 33, opérateur Rémi, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, QTH et le Bec d'Anvers. Secure, Secure, SecureDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, le QTH, le Bec d'Anvers. Salut Rémi. Oh, j'y crois pas. Michel, comment vas-tu? Il y a des hauts, il y a des bas. Ah, on va garder que les hauts, hein. Les 73 à toi, Michel. Eh bien, là, ce soir, tu vois, là, je suis du côté du Bec d'Anvers. Bon, mais je m'en rends compte, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Les amitiés à toi, bien sûr, et puis à tous ceux qui t'entourent quand tu rentreras chez toi. Ah, ça sera demain matin, car demain, je débauche à quoi? Je débauche à 6h, ouais, demain. Ouais, ça sera demain matin. Ouais, c'est ce que je vois, les mecs ils ont débarqué là-dessus, soit ils nous entendent pas, soit ils en ont rien à cirer. Mais vu l'accent, ça a l'air d'arriver d'Italie, quoi. Et puis allez, ok, vite, bravo. Attends Giuseppe, ouais, ça vient d'Italie. Ah putain la vache, ouais. Ouais, ouais, bah visiblement ils en ont rien à faire. On passe sur le 525, ça sera plus calme. Voilà, ok, j'y suis. C'est bon pour moi, ça a l'air d'être plus calme, oui. Ah oui, là c'est un peu plus calme déjà. Hey, je suis en train de regarder mon planning pour voir si ce soir... ouais, c'est bien ça. Ok. Non, on est quoi? On est où? On est là? Ah ben si, c'est bon. C'est bien à 18h que je prends. Non, mais c'est seulement maintenant que je vérifie mon planning. Achis trois coups. Ah ok, mais tu sais que je suis pas souvent sur la radio, c'est pour ça que... Si, comment dirais-je? C'était samedi ou dimanche que je suis allé sur le 275. Retrouver les Bordelais, les amis Eric et compagnie, mais comme ils ont dit, il y avait longtemps quand même. Eh bien, oui, comme tu. Ok, d'accord. Ben, là, le week-end dernier, ben, j'étais au pro tout le week-end. Le vendredi soir, j'étais sur un truc, un événementiel là, entre Saint-Émilion et Pomerol. Samedi soir, j'étais sur un autre site là, du côté de d'Abzac. Donc là, ben, là, pour moi, ça n'a pas été possible du tout. Là. Samedi soir, vendredi prochain, là, je bosse. Par contre, samedi soir prochain, je pense pouvoir être dans le QSO. Normalement, ça devrait le faire pour samedi prochain. Tu sais, maintenant, dans les temps qui courent, pour prévoir, c'est difficile.
Oui, comme tu dis, parce que le record de changement de planning que j'ai, ça a été 6 changements de planning dans la même journée. J'étais fonctionnaire, je sais ce que c'est. Enfin, bon, aujourd'hui, j'ai été faire un tour aux champignons, tantôt, c'est sec comme un coup de trique. Ah la vache. Ouais, toi, là, je suis en train de regarder ça. On est là. Ouais, vendredi soir, c'est confirmé, je pourrais pas venir en fréquence. Là, je serai sur Bassins et il y a des yeux partout. Hachis, des yeux électroniques partout. Donc là, ce sera pas possible. Samedi soir, je pense que ça devrait le faire. Ok, bah oui, c'est un peu sec là. Je vois chez moi là au niveau du terrain, en plus c'est un terrain qui est assez argileux que j'ai. Ça, le sol est craqué de partout. Hein. Moi, si tu fais tomber ton couteau, tu vas aller chercher chez les Chinois, hein, et ça partout. Ouais, voilà, c'est... ouais, non, mais là, je vois, c'est hier après-midi avec les Grecs, justement, on regardait, hein, on regardait au niveau des arbres, de ce côté-là, là, ce que ça donnait de ça, puis là, on regardait le sol, putain la vache, c'est des crevasses hein, de tous les côtés, hein. Quand on a 20 ans, c'est rien, mais quand on arrive à 80, c'est pas le même problème. Ouais, mais bon. Ouais, ouais, non, mais je suis bien n'importe quoi. Moi. Ouais, ouais, non, mais je comprends bien. Hein. C'est. Oui. Bon, en espérant que la forme va revenir et qu'on va t'entendre un peu plus en fréquence. Je te signale que je conduis encore ma voiture, ouais. Le docteur m'a fait passer des tests et compagnie, il m'a dit oui, oui, si vous sentez, quand vous vous sentez capable, alors la pharmacie, mon ravitaillement, avec ma voiture pour le moment. Alors, bon, retournant chez mes enfants, ou j'ai mon voisin qui m'a dit, il n'y a pas de problème, quand tu as besoin, tu le dis, pour le peu de fois que tu te déplaces, on terminera. Mais, je suis dans ma voiture, tu vois, ça me donne déjà... Ah bah c'est sûr que ça donne des ailes, hein, ça y a pas de problème. Hein, là, garder, pouvoir garder son indépendance, y a rien de tel. Hein, oui voilà quoi. Y a pas mieux que ça. Arriver à garder son indépendance. Par contre là, je suis en train de surveiller l'heure. Il va falloir que je m'approche un petit peu pour voir un petit peu les surprises qui m'attendent pour la nuit. Donc, il va falloir que je coupe court, désolé. Pourtant, là, je suis bien avec toi, là, ça faisait longtemps que je t'avais pas eu en fréquence. Mais là, bon, j'ai le boulot qui m'appelle et il va falloir que j'aille voir ça de plus près. Donc, les sur 1351 à toi, Michel, et très très content de t'avoir eu en fréquence. Merci, bonne soirée, et tant qu'on t'entendra à la radio, c'est que c'est bon signe. Exactement, oui, 6h15, on va faire un côté amusage. Mais je suis toujours en relation avec. Grâce à ce que tu envoies par internet, je suis ça de près, ça me tient compagnie. Allez, la bonne soirée, le bon courage, et à la prochaine, ou à la prochaine, comme tu veux. Je prends les deux, et merci pour le reste, c'est fait pour ça. Merci, bye bye, à plus. À plus et merci. Toi aussi, merci beaucoup, bye. Oui, Daniel, des bosses sont 1351 à toi. Oui, je suis en train de faire chauffer un petit peu la voiture. Attends, là je du coup j'ai bougé parce que là où je suis, là j'ai du mal à t'entendre.
Attends, là, je me rapproche, là, je sors de là où je suis, j'attrape la route, là, je serai au bord de l'eau, comme ça, je devrais mieux t'entendre. Moi qui croyais mieux t'entendre, arrivé là, je viens de me prendre une vague de QRM, mais j'ai réussi à entendre dans la bouillie que tu m'as dit, H3Q, Dakota 33, oui affirmatif, je l'ai entendu aussi, c'est avant-hier matin. Voilà, oui, ben là aujourd'hui, là, il est de repos, de repos aujourd'hui. Ok, d'accord. Alors le plus drôle, c'est que hier, je l'entendais bien, il appelle quelqu'un, bon, la personne ne lui répond pas, moi je lui envoie les 73, il y avait tout qui était en route, Hachi 3 coups, et il m'a pas entendu apparemment. Hachi. Ah mais j'étais appelé, non, j'ai resté sur le distance hier, quoi. Et j'étais pas entendu hier. Non, pas hier, avant-hier. Ah oui, voilà, donc j'avais bien compris que hier c'était de repos et que tu reprenais que ce matin. Voilà, c'est ça. Hier j'étais de repos. Tiens, en fait, hier soir j'ai eu des nouvelles de Michel, la tour de contrôle. Oh, oui, ça donne des nouvelles, comment ça va? Coussi, coussa, mais bon, du moment qu'il prend la radio, c'est que ça va. Oui, oui. Ok, mais pareil, hein, le soir, tu as Nico, tu as la belette, tu as eux au moins le soir, et peut-être Angèle aussi, par la même occasion, qui descend de temps en temps sur le 19. Ok, oui. Bon, hier, là, j'ai pas t'as qu'à nous mettre une muselière. Ah ouais? Je sais pas comment les gens font comme toi même qui tous les jours prenaient cette route et après sur l'autre côté. Je sais plus là où je suis là, dis donc. Très peu de route, la tranquillité, bon, après, c'est trop facile au niveau raccourci, c'est un petit peu malheureusement. Ben, disons que ce qui fait que tu n'entends pas grand monde là où tu es, c'est à cause des QRM. Hein.
Tu as, je sais plus, 7 points de QRM, je crois. Qu'est-ce que tu veux entendre? Que dalle. Et pourtant, si les stations sont là, que ce soit en BLU comme en AM, hein. Mais vu les QRM que tu as, toi là-bas, du côté de ton QRA, c'est même pas la peine, quoi. C'est l'horreur. Hein. Voilà, il te faudrait un bon filtre, genre MFJ ou des trucs dans ce genre-là, quoi. Là, ça arriverait peut-être à nettoyer ça. Ouais, mais on voudrait être plus difficile, ouais. Pour éliminer un peu le QRM, on va faire ça. Et je n'ai pas même le plus de mon ville, parce que par exemple, bon, ouais, ok. Ah, il me semble avoir senti quelqu'un derrière. Oui, les 73, la station d'avant. Bon, bah, c'est pas grave. Ok. Ok, Daniel. Ouais, mais ça devait être un peu sans souci parce que là, je suis dans une partie là, qui est relativement courante, sans aucun QRM matériel. Sans oublier. Bah, j'étais pas vraiment sûr, hein. J'ai entendu un bruit là derrière, un petit bruit très bref. Donc je sais pas, soit c'était vu que je suis en train de rouler, je suis passé à quelque chose, à côté de quelque chose qui a fait un claque, ou alors c'était un coup de pédale de micro, je sais pas, je pourrais pas dire. Ah, où est les 73, la station? Est-ce que ça serait pas la belette à tout hasard? Putain, j'ai rien senti là, et bon, il m'a pourtant marché dessus, mais j'ai rien senti, hachi. Ok. Daniel, ouais, c'est bien ça, c'est la belette qui est derrière, les 73, la belette. Quoi, il y a des YL derrière en fréquence? Ah, ça arrive pas jusqu'ici. Là, je suis sur je suis à Saint-Louis de Montferrand. Ok, d'accord. Bah, tu as Daniel Senteur qui est du côté de Saint-Médard Martignas. Ok, Daniel, est-ce que tu l'entends? Oh, j'étais un petit peu perdu là, Daniel, là, sur le coup, là. Je suis en plein dans Saint-Louis de Montferrand. Hein. Oh putain, oui, c'est l'horreur ici. Hein. Ah ouais, la civilisation est arrêtée aux portes de la commune, là. Hein. Et quoique, je dis ça, mais je suis étonné ce matin. J'ai beaucoup moins de QRM que d'habitude. Attends, je vais pas crier victoire trop vite. Alors, comment vas-tu, la belette, depuis le dernier coup? Mais non, bon, ils vont partir. J'ai entendu hier soir, je m'étais un peu discuté, je suppose que j'étais avec l'IFK, mais vous étiez trop loin, moi j'étais sous les SSA, j'étais trop loin, j'ai pas pu vous confier.
Mais non, c'était pas JFK, c'était Nico. Voilà, tout simplement. Alors lui, moi je lançais des appels de mon côté, lui aussi, puis bon, ben c'est bon, on a réussi à s'attraper, à chier trois coups. Ouais, c'était Nico. Merci pour ça, oui, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'était une longueur, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, ben voilà, tout, voilà, je suis en plein QRM, haché. Ben c'est pas grave, hein, j'ai réussi à te décrypter là, au milieu de tout ça, il n'y a pas de problème. Putain, hey, avant-hier matin, là t'as raté quelque chose là. Il y avait de mon côté, là j'étais du côté de la côte de la GT. J'étais moustaché de tous les côtés, quoi. Putain, je sais pas combien il y avait de stations en fréquence là sur le secteur, mais là j'étais comme là tout à l'heure là en QSO avec Daniel. Et je comprenais plus rien, quoi. Et du coup il a fallu que je lui dise au revoir parce que il y avait trop de moustaches. Ok, d'accord, c'est pas grave. Ouais, je disais simplement que avant-hier matin, bon, hier j'étais en repos, mais avant-hier matin, hier matin j'étais en repos, on va dire. Mais avant-hier matin, il y avait une espèce de cacophonie là sur la CB, là du côté de la côte de la GT. Alors, je sais pas combien ils étaient, mais du coup, moi qui étais en QSO avec Daniel, il a fallu couper court parce que je comprenais plus rien. Hachi, j'arrivais plus à le sortir. Ah oui, il y avait un moment de l'affaire. Alors, c'est sûr qu'il vaut mieux faire ça à la radio quand c'est comme ça. Là, ça t'as le grand pendule, ça va pas le. Ok, ben là, je suis en train de passer les feux, là. Voilà. Ok, voilà, ça y est. Là, je vais pouvoir m'échapper, là, d'ici. Ok. Tiens, mais hey, ça s'est bien rafraîchi, là. On dirait qu'on va vers l'hiver. Ouais, non, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de rouvrir bien sûr, on a tous les coups, je vois que ça, hein. Ah, ouais, j'avais pas bien compris. Ouais, mais là, il est plus, il devrait fermer la porte, parce que ça fait froid, et ensuite, il y a des électricités pour y être. Putain, oui. Non, c'est, sérieusement, c'est vrai que cette nuit, là, j'ai mis un peu de chauffage, là, où j'étais, là. Hein, quand même, parce que, puis en plus, moi, entre mes rondes, qu'est-ce que je fais? Ben, j'attends la prochaine. Hachi. Bon, je m'occupe, hein, j'ai ce qu'il faut avec moi, j'ai mon PC, j'ai tout ça, je me connecte sur Internet, je fais ce que j'ai à faire sur Internet, sur mon forum et tout, et ainsi de suite. Bon, ok, mais bon, ça réchauffe pas trop tout ça, quoi. Alors, c'est sûr que là j'ai commencé à mettre le chauffage. Tu m'étonnes, t'es reparti broyer du Nord encore, Rémi? Ah ben là, je rentre au QR1 et je reprends vendredi soir. Ah, quelqu'un pour ça. Ah, ok. Bon, ben, on va être un petit bout de route ensemble, alors. Moi, j'arrive en haut du Grand Pendu, là, je sors, là. Ah oui, t'es en haut du pont d'Aquitaine? Ah, c'est vrai, là, j'ai le radar dans 200 mètres. Vas-y, accélère, pour voir si tu vas te faire flasher par les paparazzi. Ben non, parce que ben, j'ai bien fabriqué mon petit bijou et maintenant ça va trop vite, ils ont plus le temps de me placer. Tiens, il faut te dire le moulin à ce midi à ça parce que tu tombes sur le roux. Tu m'étonnes. Non, ça va, les flashs, j'en ai fait trop en l'espace de à peine un mois, ça va, les conneries dur. Eh bien, tiens, moi j'en ai une bonne à ce niveau-là. Là, pendant bien 15 jours, 3 semaines, là, j'allais sur du côté de Mérignac, là par là-bas. Et dans la même semaine, deux fois, je me suis fait flasher. Premier coup, bon, j'étais tout seul. Ok, bon, le flash m'était destiné, d'accord. Le deuxième coup, on était plusieurs voitures. Eh bien, j'ai pas compris, ça doit bien faire un mois de ça maintenant, j'ai toujours rien reçu. Celui-là qui est dans une espèce de blocos. Ah, mais on mobile alors.
Ouais, si tu veux, celui qui balade là un peu partout, là, autour de la rocade, là, qui met en poste fixe un peu partout autour. Ouais, ça ramasse le chantier, quoi. Oui, quelque chose comme ça. Le truc, tu dirais un blindé, le machin, quoi. Tu dirais qu'il est dans un coffre blindé, quoi. Ah ouais, c'est pour ça que je dis les caravanes, c'est qu'il va ça un peu une remorque, ce bordel-là. Ouais, en gros, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est celui-ci, là, deux fois, là, il m'a flashé, et apparemment, comment dire, j'ai une connerie à sortir. Je suis en train de la chercher, je suis en train de la cogiter. Je dois avoir une certaine humidité à ces trois coups qui du coup, ben, les flashs ne prennent pas sur moi, quoi. Ouais, non, c'est vrai, je sais. Bah, tu m'étonnes, d'après toi, pourquoi ils ont descendu les voitures à 80 km/h? C'est pas pour la pollution, ça c'est des conneries. Hein. Au contraire, je crois même qu'on doit plus polluer maintenant qu'avant. Parce que je vois, moi, par exemple, au niveau de mon push, j'ai une boîte 6. Et bien, avec cette connerie de 80 km/h, la 6e vitesse, je peux plus la passer, je suis coincé en 5e. Donc, il est où le bénéfice au niveau régime moteur, donc consommation, pollution? Eh bien, il n'y en a pas. Par contre, oui, ça flash davantage, du coup. Tu m'étonnes, surtout si tu regardes les conneries genre Tesla et compagnie, ça te coûte le prix d'une baraque. Ah, chier trois coups. Non, je déconne, mais bon, non, ça te coûte la peau du cul, en plus ces bordel de ces voitures-là, quoi. Bon, et puis moi, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Et au niveau de la CB, je fais comment, moi, là-dedans, quoi. Du moment que tu commences à rouler avec ça, putain, t'es parasité de tous les côtés, quoi. Oh putain, je suis en plein QRM. Je suis au niveau des ronds-points avec les silos à grains là sur les quais de Bassins. Ouais, mais tu roules en marche arrière là-dedans. Ah putain, je comprenais pas pourquoi j'avançais pas aussi. Bah, je vous jure, madame, parce que plus j'avance, plus je recule, là, on se comprend pas. Ah, tiens, là, qui vont croire autre chose là et qu'on aime ça, quoi. Ouais, moi, je suis capable d'arriver à la sortie 24 de la cigarette. La 24? Ah putain, moi, c'est la 26 que je dois apprendre. Enfin, j'espère, parce que là, j'ai 3000 pattes là devant moi. Bon, ça va, ils avancent quand même. On est à quoi? Ben, on est à 50. Ouais. Putain, j'ai de ces QRM là ici dans le coin là sur les quais de Bassins, la vache. Ok, je vais essayer de te rattraper, Hachi. Ok, ça marche, sinon à la prochaine. Attention Daniel, est-ce que t'es toujours là? Bon, apparemment, Daniel, tu dois être rendu au pro. Eh bien, si tu m'entends pas, bonne journée à toi, à plus. Hop là, ouais, je suis toujours là, la belette. Ah, on a pris le micro ensemble. Ouais, j'ai mis des ronds-points qui tournent sur ma route. Ah oui, putain les cons. Ah ouais, mais moi le matin de bonheur, comme ça après le café, ça me file la nausée. Hein. Ça te fout le mal de mer. Voilà, je suis en haut à la 24. Alors, déjà, qui tourne, oui, j'arrive. Attends, voilà, le temps de sortir les rames et j'arrive. Putain, j'ai un Duster qui m'a doublé, quoi, le con. Salut.
Mais on dirait le Duster de mon YL. Puisque du coup, voyant comment ça se passait avec le mien, ça m'est acheté un. Moi, ça fait déjà, ça doit bientôt faire un an, quoi. Ouais, je suis au pied de la côte de la GT, là, au dernier rond-point là qu'il y a là. Ok, ça marche. Alors putain, mais t'as raison, hein. Qu'est-ce que ça tourne sur les ronds-points? Je m'étais pas rendu compte de ça, moi. Je croyais qu'ils étaient carrés. Ouais. Ouais, putain, par contre là j'ai une citerne là dans la montée là devant moi. J'ai intérêt à ralentir parce que voilà, c'est ça, j'ai les flèches au sol. M'en doutais que j'allais pas pouvoir le doubler. Ah ben du coup je suis à 30 à l'heure. Désolé, hachis, hein. Il va falloir attendre un petit peu. Bah, de toute façon, moi c'est la 26 que j'attrape. J'arrive tout doucement en haut de la côte de la GT. Ah, je t'ai à peine entendu, surtout le retien vide derrière que j'ai entendu. Ouais, j'ai entendu que tu disais qu'il y avait un rond de la GT, là. Moi, je vais partir maintenant. Ok, putain, et puis en haut de la côte, ils ont même mis des feux. Ah, ils mettent des ronds-points qui tournent en rond. Et des feux là, dès que tu arrives dessus, rouge, on est à Bordeaux. Donc la couleur rouge, c'est la couleur de Bordeaux. Donc pourquoi on s'arrête au feu rouge? Je suis en train de te perdre. J'ai 2000 pattes là sur ma droite, là ça fait un petit peu écran là de ton côté là. Oh la vache, ouais, je t'ai vaguement entendu dans le lointain, c'est tout ce qui est passé là. À tes souhaits, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Oui, il est joli ton Roger Bip. Hachis trois coups. Là, pour le moment, là, il faut que je me sorte de là. Là, je te sors plus. Hein. Voilà, je suis en train de m'échapper. Regarde derrière toi, je suis en train de te coller au cul. Moi j'attrape la 26 après, direction Libourne. Ouais, direction Libourne par la sortie 26. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, la chie. T'as vu un panneau avec quelque chose de marqué dessus? Putain, c'est étonnant ça. Ah sérieusement, là je t'ai perdu là. Ouais, ok, là je t'ai entendu, mais bon, j'ai pas compris grand chose. Heureusement qu'il y a le recurve bip qui est là, parce que c'est vrai que par moment là ça fait un peu des vagues. À part que les vagues, les ronds-points, ben oui, hein, c'est normal. Hein. Ok,
je suis en plein QRM là, avant d'arriver à la station Total. J'arrive même sur la station Total en ce moment. Ok, j'ai à peu près compris. Les bus sont 13:51, toi, la belette. Et bonne journée, à la prochaine. Ciao. Ah, chier trois coups. Voilà, je suis en train d'attraper la 26. J'ai pas cherché longtemps. Alors les stations BLU, n'hésitez pas à redescendre sur le 40 camions. Ok. Ah, quand il n'y a pas de propague, faut pas hésiter. On a tout à fait l'exemple que quand on fait un tour de galette, eh bien, ça donne l'impression qu'il n'y a personne. Et pourtant, juste avant, on les a entendus. De toute façon, eux restent toute la journée sur leur canal habituel. Donc, bah, forcément, ils reprennent le micro quand ils en ont envie, quoi, puisque de toute façon, ils restent là. Quel est le cas? Là, c'est les habitués. J'avais le 90 au cul.
il dépend. Si tout va bien, il a la moustache et les pattes d'œuf. Ce qui est bien, c'est que là ils roulent en convoi, là ils sont bien. Ça leur évite de s'endormir au volant. Ils se tiennent compagnie, ils se donnent les infos de la route en même temps. Ils s'avertissent dès qu'il y a quelque chose. C'est ça la CB. Là, à quoi ça sert la CB aussi? Des routes urbaines. Ça module. Ça se trouve, c'est du côté de Bordeaux. Et comme je m'en éloigne largement, je dois être à peu près à 40 km. Ah. Relais de Gascogne.
pas mal ce relais, mais au niveau stationnement, c'est vrai que c'est un petit peu limite.